Subscribe to Loizozo 34. Eh bien salut à tous les amis, c'est Loizozo 34 pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui et durant les jours, voire semaines à venir, je vais sortir des vidéos sur tous les personnages de la web-série Otachan. Que cela soit Cam, Kanchan ou bien Otachan, qui est le sujet de cette vidéo. On va parler de qui est Otachan et les rôles qu'elle a dans la première saison, car oui, il y a actuellement une saison 2 en production du côté de Otaku VS. Aujourd'hui on va parler d'un sacré personnage, je parle bien de Otachan. Otachan est un personnage de la chaîne YouTube Otaku VS qui a fait sa première apparition sur nos petits écrans en 2007 dans le Otachan Show, une émission où Otachan parle du Japon et de l'impact qu'a les animés sur l'internet. Otachan c'est un peu la Im, la waifu de Crunchyroll de Otaku VS. Otachan a connu deux différents designs sans compter celui de l'anime et le modèle 3D pour le VTubing. Car oui, Otachan est aussi une VTubeuse. Dans le cas des versions 2D, elle est toujours représentée en tenue d'écolière violette et avec presque la même coupe de cheveux que Kokona dans Yandere Simulator. La nostalgie. Personnage principal de la série animée Otachan, point d'exclamation, à se dire qu'elle a littéralement son prénom dans le titre, elle se retrouvera endettée et devra vite trouver une solution pour se faire du blé. Dans le premier épisode, on nous présente Otachan comme quelqu'un d'assez énergétique et dynamique, mais surtout vulgaire par les multiples grossièretés, et surtout qu'elle n'a pas de gêne à montrer son corps, et en tout cas, elle est très gamine et ne prend rien au sérieux hormis les problèmes avec le fisc. Dans le deuxième épisode, elle se retrouvera à écrire elle-même ses textes, mais ça finira par une crise existentielle. Dans l'épisode 3, Otachan essayera de se faire de l'argent sur le dos d'investisseurs dans les applications mobiles et sur le dos de Weeb qui aime les avatars féminins dans les jeux gacha, dédicace aux joueurs Genshin Impact. L'épisode 4 et 5 sont des épisodes un peu plus uniques et différents des autres, car dans les premiers épisodes, c'est toujours le même type de scénario, je m'explique. Otachan a une idée, elle l'applique et elle échoue. Et dans les deux derniers épisodes, c'est différent car Kanchan s'occupe d'Otachan et l'aide. Inquiète ou pas, une vidéo sur ce personnage est imminente. On apprend aussi que Otachan est assez populaire dans la ville, région, voire pays où se passe la série et c'est sans aucun doute le Japon. Car dans l'épisode 5, on a quelques scènes avec des personnages qui parlent japonais. Et aussi dans l'épisode 4, Kanchan habite dans une maison typique du Japon. On peut voir à plusieurs reprises dans plein d'animés ce genre de structure. Un running gag est que Otachan a des addictions. Elle est alcoolique et consomme régulièrement de la cocaïne, mais elle a aussi un problème d'estime de soi et une maladie chronique du foie due à l'alcool. Fun fact, avant de terminer cette vidéo, Otachan a une sœur nommée Notachan. Je vous l'accorde, ils ne se sont pas foulés pour le nom. Notachan ressemble beaucoup à Otachan, elle a juste les cheveux plus longs et blonds, et sa tenue a des couleurs plus chaudes. On va rien dire sur la plus grosse différence entre eux. Ouah putain, gros nibard ! Non, je parle pas de ça. Je parle leur façon de présenter. Elle est pas vulgaire, elle est dynamique durant ses temps de lecture et de présentation. Tout le contraire d'Otachan. La sœur d'Otachan apparaît pour la première fois dans le Otachan Show sur les animés de l'hiver 2018, en espérant qu'elle soit présente dans la future saison 2. Bon bah cette vidéo est déjà finie et comme j'ai pu le teaser je crois sur certains réseaux ou même je l'avais dit en vidéo, il y aura 3 vidéos de ce genre, c'est-à-dire que ben comme j'ai pu le dire aussi en début de vidéo, il y aura d'autres vidéos sur Kanchan et Cam qui vont arriver prochainement sur la chaîne. Donc je sais pas encore quelle date ça va sortir, si je vais prendre du temps à les produire, que ce soit l'écriture, la production, le montage. Donc voilà, enfin bref. Sur ce, merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Ciao.